Colette, Colette, c'est moi. Qui ça? Charles. Excuse, je voulais pas te faire peur. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je te regardais. Mais t'aurais pu me prévenir, sonner. Oh. Non, tu restes pas là planté comme un sapin. J'aime pas ça me faire espionner. Je... J'étais pas sûre que tu serais contente de me voir. Comment tu vas? Je vais bien. Seulement, maman est partie pour 3 jours avec la Croix-Rouge à Baie-Saint-Paul. Je suis toute seule à la maison. Ah. C'est pour ça que tu m'as fait tellement peur. Ah, mais je voulais pas, hein? C'est tout le contraire. Même j'espérais que tu me vois pas. Mais je sais qu'après-demain, ça va être ta fête. Voyons, Charles, c'est de la niaiserie. Venir sur la galerie puis penser que je m'en apercevrais pas. Bon, entre. Viens t'asseoir. Colette, je m'ennuie de toi. Tu aurais pu m'appeler pour voir? Les dernières fois qu'on s'est vus, t'avais tellement l'air de me blâmer que je m'étais dit que je te chalerais plus. Tu comprends, j'ai ma fierté. Mais c'est plus fort que moi. Alors je me suis retrouvée dans l'ombre à t'espionner, comme tu dis. Mais moi, j'ai pas à te blâmer ou à t'approuver. C'est juste que... la dernière fois qu'on s'est vus, j'étais un peu fatiguée. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh. Je refais mon entraînement de base à Valcartier. Mon commandant voulait me redonner une commission d'officier à cause de Kingston. J'ai refusé. Alors, évidemment, lui, il me bloque mon transfert à la bibliothèque, comme j'espérais. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, il y a un padre qui essaie de m'aider. Sa mère est amie de la mienne. Elles se sont parlé. Comme tu vois, je continue. Je fais mon possible pour m'en sortir. Mm-hmm. Même si pour toi, c'est pas trop glorieux. Mais je demande à personne d'être glorieux. Si c'est pas à moi de juger personne. Colette. Est-ce qu'on pourrait pas se revoir un peu? J'ai tellement de choses à te dire. Il me semble. Oh, j'aurais donc dû. Mais expliquez-vous, all right? Ben, j'ai pensé que vous seriez content que je cire votre bureau sur le dessus pour que la poussière ne colle pas. Mais qu'est-ce qui vous prend, mon brave? Vous n'arrêtez pas de me foutre de la cire partout. Semble pourtant vous avoir dit... Ben, j'aurais dû laisser faire, comme j'avais pensé pour commencer. Et vos éternels regrets, là, toujours. Listen, vous faites les choses ou vous ne les faites pas. Mais prenez-en la responsabilité, my God. Et puis faites-en moi, de toute façon. Oui, mon colonel, j'aurais donc dû... Allez-vous vous arrêter? Ben, j'ai pensé que vous n'étiez pas content de moi. Vous aviez l'air tellement sévère depuis quelque temps... Sévère. J'ai l'air sévère, moi. Ben, comme triste, en tout cas. Pas de bonne humeur, pas en tout. Je frottais vos bottines, puis je me suis dit, t'as dû oublier de cirer quelque chose. Non, rassurez-vous. Mon humeur n'a rien à voir avec vous. Vous en faites trop! C'était de la chire, en tout cas. Ben, j'aurais dû le savoir que c'était pas moi. J'aurais donc dû... Oh, pardon. Ce que ça vous prendrait, c'est un bon secrétaire, là. Quelqu'un à qui vous puissiez passer un peu de tout ce qui vous trotte dans la tête. On sent que vous n'avez gros à penser, puis que c'est pesant, des fois. Ah, Morin et Gignac à côté, ils font leur possible, mais c'est pas ça, l'affaire. Un qui sait juste typer, puis l'autre qui sait juste pitonner la machine à côté, c'est pas ça. Non, ça vous prendrait quelqu'un qui comprend la guerre. Quelqu'un qui voit clair, là. Puis qui puisse discuter avec vous pour vous donner la chance de vous faire votre idée. Oui. Oui. Ben, je vous remercie, mon brave. C'est très prévenant de votre part. Mais, vous savez, j'ai mon staff pour ça, mes commandants de compagnie.
Bon, faites excuse, mais avec votre staff, c'est vous le boss. Le major, le capitaine et le lieutenant, vous pouvez pas. Faut leur dire ça, c'est ça, pas de galing-galang. Non, vous pouvez pas. Quelqu'un pour douter, là, avec. Il me semble que ça vous ferait donc du bien. C'est-tu correct que je dis ça? Je suppose que oui. All right. Moi, j'étais sacristain à Saint-Élie-de-Couchier, pas loin de Sherbrooke, avant de m'enrouler. Sacristain? Oui. Puis quand le curé Sévigny là, avait l'air comme vous, là, ben chagrin, parce qu'un pénitent y avait confié trop de cochonneries à confesse, hein, ben j'y chaînais son char, une belle Ford noire. Puis ça, ça le consolait. Ah, c'était pas dans mes devoirs, mais ça l'aidait, le pauvre homme. Ben, je suppose que vous gardez fait, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est arrivé un matin. Gignac m'avait donné ça pour vous. J'avais oublié. J'aurais donc dû, hein. Il paraît que ça annonce un gros changement. L'Allemagne, elle se revirait contre la Russie pour y faire la guerre à elle aussi. C'est ça? Mais il fallait me prévenir tout de suite. Ça change tout, ça, en effet. Parce que si Hitler fait la guerre à la Russie, il commet la même erreur que Napoléon. C'est la première bonne nouvelle que j'ai, moi, depuis le début de la guerre. Seulement, mon garçon, ne me faites plus jamais ça. Quand je reçois une dépêche, il faut me la remettre sur le champ, au plus coupant, all right? Il n'entre pas dans vos attributions d'en lire le contenu, all right? All right! Bah, dismiss. J'aurais donc dû, Oh, c'est grandement plus beau. Oh, j'aime ça. Ça va être moins désarmant. Oui. Hé, Tijan, t'es fin. Hein? Il a le droit à une journée de congé par les petits, puis il me la donne. Oh, c'est gentil, hein? Pupin m'avait bien recommandé en partant. Tu y montres à Flore que ces hommes de Gaspésie l'ont pas oublié. Même si ça trouvait un galant par là. Si tu t'étais marié de Parfinou, c'est bien sûr que le père y aurait voulu te bâtir. Ah. Fait qu'un petit coup de pinceau, c'est bien juste pour le rappel. Une petite affaire, trop petite. Pour dire que tu règnes toujours comme fille de la maison. En tout cas, c'est un gros merci. Ah, je t'ai dit que Pierre-Paul pis moi, on va avoir plein du contentement. C'est bien fait. Ouais. Faudrait avoir la bonté d'excuser mon accoutrement. Je savais pas que Flore pouvait espérer de la visite à soi. Oh, je me serais hanté. Il n'y a pas de faute, voyons. Mais je suis content de vous voir. Viendrai te poser ta tapisserie demain, si je peux me poigner une autre passe. Son pharo, là, à Flore, là, votre mon oncle. Je le comprends pas trop. Mais vous, c'est correct. J'étais content quand vous aviez avec Flore, tout de suite, la première fois. Papa aurait dit, ça, c'est bon pour elle. C'est ma grande amie. Elle porte la classe pis durant, là, c'est comme ma sœur. Hey, on parle pas de classe, on parle plus jamais de ça. Ce serait comme une deuxième sœur pour toi aussi? Ouais, moi, je veux bien. Ça me ferait une belle cadette en surcroît. Une sucrée de belle cadette. Mais tu n'es pas, là. Oh ben. As-tu vu ça? À part le Gaspésien, en plus. Hé, hey, tu pourrais nous sortir ensemble? Des fois que t'aurais personne, puis t'aurais le goût de pavoiser un brin. Hein, Colin? Ben, faire le pharo avec tes deux sœurs. De quoi rendre la moitié du régiment fou? À regarder l'autre crever de jalousie. Assois, si vous voulez. Il y a une danse à la Salvation Army. Au lieu de rentrer à Valcartier pour 7 heures, je pourrais prendre le train 11 heures. Ouais, mais Pierre-Paul va ressoudre vers les 8 heures. Mais vas-y, toi, Colin. Hein? Vas-y! Ben, c'est que... Si ça vous plairait. Mais... Oh, ça me plairait, c'est sûr. Ça me plairait beaucoup, même. Mais j'ai déjà un rendez-vous. C'est Charles, il est revenu. On est supposé aller au cinéma ce soir. Mais c'est pas parce que ça m'aurait pas plu. Ben, une petite sœur. C'est une sœur, hein? Ça sert à rien de se faire désaccroire. Ça me porte à croire que ce serait comme ça. Elle serait toute seule pour sa fête. Écoute donc, qu'est-ce que t'as à l'œil, toi? Oh, c'était une guêpe qui m'a eu. C'est pas toi, la guêpe. Elle dit que Mme Marie est à Baie-Saint-Paul jusqu'à mercredi soir pour ses devoirs de la Croix-Rouge. Ça fait qu'elle serait tout fine seule pour son anniversaire amarrée au Parc des Braves. Mais peut-être que son Charles pourrait la sortir. Bon, je me ressors qu'on fasse de quoi. Lui. Ça n'a pas l'air de la réjouir pantoute. Elle ne parle pas, mais tu vois que ce serait comme une grosse barge trop chargée qui prend quasiment plus. Même la petite vague.
Ouais, mais Sainte-Toupie, à Saint-Jean-Baptiste, au château, ça dérouge pas. Va finir un coup petites heures du matin, t'es toujours bien pas pour te mettre à une fête sur le dos, toi, tout seul. Non, je le sais, mais j'aimerais ça qu'on fasse de quoi. De quoi? De quoi? Non, je me creuse, là, mais... je trouve pas. Seulement, m'a trouvé. Je te trouve bien ça. T'es assez fine d'être venue me chercher. Ben, je voulais découvrir ça à la place que tu travailles. Oh. Quand je t'ai vue, là, dans le parc avec les pigeons, là, puis tu me voyais pas venir. Ah, oh, c'est bien simple. C'est comme si les gros chars, ça serait mis à patiner dedans de moi. Tchou, 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 tchou. Ils sont là, là. Ah, oh, puis je me suis dit, ça se peut pas. Ça se peut pas, Pierre-Paul, tu rêves. C'est pas à toi, cette belle fille-là. Hein? C'est sûrement quelqu'un d'autre qu'elle attend. T'es fou, t'es fou. Puis je voulais te dire... Quoi? Bon, de quoi? À quoi, de quoi? Ben, ce serait fini, les jours dangereux. Quand ça? À soir? Mm-hmm. À soir? Mm-hmm. À soir, là, là! À soir! J'aimerais autant pas être escroquée, si tu veux savoir. Puis ça se passerait chez nous, de préférence au trottoir. Ouais. On est rendu. On est rendu. Attends, attends, attends. Tu parles pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas correct, Charles. Toi et moi. Je te sens à côté de moi, là. Sûr, malheureux, fais pitié. J'aime pas ça de voir comme ça. J'aime pas ça être celle qui te fait ça. Mais c'est parce qu'il faut nous donner le temps de nous réhabituer. Mmh, c'est pas correct. C'est vrai que je te juge, au fond. Je passe mon temps à trouver des défauts, des faiblesses, des torts. C'est parce que je me défends. C'est pour ça que je pense ça. C'est pas correct. Je dois changer des choses. Il faut que je me trouve une nouvelle façon d'être. Non, non! C'est très bien ce que t'es. Ça pourrait même être beau. Tu manques juste un peu d'assurance. C'est parce que c'est moi. Pour moi, c'est pas ça. Tu m'aimes pas. Mais j'étais juste une petite fille encore la première fois que tu m'as parlé. Une petite fille dans un corps qui devenait femme malgré elle. Ça m'éblouissait, ça, que tu me dises que tu me trouvais belle. Puis... Mais t'es belle. T'avais besoin de moi, tu sais. Mais j'ai besoin de toi, Colette. Non, non, c'est juste parce que t'as besoin de t'appuyer quelque part pour faire ce que tu dois faire. C'est difficile, Charles, de faire ce que tu dois faire, toi. Plus que pour d'autres. Avec ton intelligence puis tes idées, là... C'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Tu dis juste ça pour m'éloigner. Non, Charles. Il n'y a personne. C'est juste que c'est pas vrai qu'on vit le grand amour. Mais pas pour moi, en tout cas. Ben, moi, c'est ça. Je pensais à toi la nuit dernière. Je savais qu'on se reverrait, puis... Je me disais... Quel dommage, mais... Quel dommage! On pourrait être de si grands amis si seulement on jouait pas aux amoureux. Les filles disent toujours ça. Non, mais je te respecte, moi! J'ai rarement vu... J'ai jamais vu quelqu'un comme toi avec une conscience pour la politique, pour la justice, toutes ces choses-là. Je trouve ça précieux, moi. Je voudrais pas perdre ça. Il y a quelqu'un d'autre, je le sais. Bon. C'est dommage, mais... Je suis pas aux amoureuses, moi. Pas avec toi.
Puis pas maintenant. Tu savais le mal qu'il faut se donner pour trouver des fleurs à Québec en 24 juin. Oh, ben dis donc, tu n'en manques pas. Ce sont tes galants qui t'ont apporté tout ça. J'ai l'air un peu ridicule, moi, d'arriver si tard. Oh, pensez-vous. Non, je les ai cueillis moi-même. J'ai ravagé toutes les plates-bandes. Non, j'étais seule pour ma fête. C'était un peu triste. Je me suis dit, ma fille, tu vas commencer par te fêter toi-même. Mais toute seule. Oh, qu'elles sont belles, tonton! Marie te laisse seule le jour de ta fête? Ah oui, elle est à Baie-Saint-Paul avec la Croix-Rouge. Oh! Oui, encore. Et tes galants, eux, où sont-ils? Ils savent pas en profiter? Je te jure bien qu'à leur âge, j'étais plus vif et plus débrouillard. Oh, tonton, vous m'avez offert mes premières fleurs, mais... Je suis obligée de vous dire que c'est vous aussi qui m'offrez les deuxièmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la guerre qui vide tous les salons de la ville de Québec? Il va falloir que je me montre plus généreux avec tous ces jeunes lieutenants qui me demandent des permissions. Oh, inquiétez-vous pas pour moi, tonton. Finalement, j'étais pas malheureuse toute seule. Je me disais qu'être adulte, ça commence peut-être par ça. Vous pensez pas? Il y a déjà tellement de solitude dans le monde, il ne faut pas la cultiver, ma pauvre enfant. Alors, ta mère est à la Baie-Saint-Paul, tu dis, avec ce Simon Saillant. Oui, mais Simon, pour maman, c'est juste une image qui lui rappelle Émile. Oui. Ah, ma petite Colette, les misères du cœur... Tous ces sentiments ridicules qui trahissent notre dignité, finalement. Dites pas ça, tonton. Si tu savais le plaisir que j'ai eu à me donner moi-même rendez-vous avec la belle jeune fille de 18 ans que tu es. Ah, 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 17 ans. 10? Oui. Eh bien, je lève mon verre à ta santé, à ton bonheur, à ton plaisir et à tes amours. Ah, mes amours. Je voulais te demander, Colette, qu'est devenu ce garçon que tu voyais, Charles? Il s'était enrôlé dans les voltigeurs, je crois. Il fait son entraînement à Valcartier. Pas possible. Oh, que c'est intéressant. Oui, figure-toi que ce matin, quelqu'un m'a conseillé de prendre un secrétaire. Alors, j'ai pensé à ce garçon. Est-ce que tu crois que ça lui plairait? Il me semble que c'est un garçon réfléchi, d'après ce que tu me disais. Je sais pas, tonton. Hein? Tu vois, ce matin, quand j'ai appris que Hitler faisait la guerre à la Russie, pour la première depuis le tout début, j'ai eu le sentiment que nous pouvions peut-être la gagner, cette guerre. Le premier espoir véritable. J'aurais tellement aimé... expliquer tout cela en détail à quelqu'un qui comprenne, quelqu'un qui puisse partager, si tu veux, cette expérience. Non, je n'ai trouvé personne à qui en parler, vraiment. Ah, ça, bien sûr, mon petit état-major était là, qui m'écoutait béatement. Mais c'est un fils que j'aurais aimé dire tout ça. Lui léguer un peu du petit savoir que les années m'ont procuré. Et c'est alors que j'ai pensé à ce garçon. Dites-moi, tonton. Hein? Comment vous faites? Quoi? Comment vous faites pour me deviner comme ça?
Je t'ai deviné, moi? Oui. Vous savez, il a fallu que je prenne une décision très importante. Difficile par rapport à Charles ces jours-ci. Ah oui, vraiment? Est-ce que vous vous voyez souvent? Enfin, je ne veux pas être indiscret. Hein. Vous êtes comme une sorcière. Mais non, pas du tout. Réellement, mais c'est, oui. Non, c'est tout simplement que je t'aime bien, ma petite Colette. Et peut-être que je te devine sans le savoir. Comme toi aussi, tu me devines bien. voilà mon rival, le prétendant que tu attendais. Personne ne peut rivaliser avec vous. Salut, ma cadette. Ah, bonjour. C'est Flore qui m'a envoyé de crier. Flore? Ils sont en train de pavoiser chez une amie à vous, il paraît, Denise Forti. Vous connaissez ça, je pense? Oui. Entrez une minute. Ça serait comme votre fête? Oui. Flore m'a dit, va la chercher pendant qu'on achève, puis lâche-la pas aller. Tu ne me présentes pas, Colette? Colonel, sir?